Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain. Ça fait des mois en fait, depuis qu'on a emménagé, j'avais très envie de vous montrer cette pièce. J'espère vous faire un tour complet de ma salle de bain aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas parce qu'elle n'est pas finie à 100%. On a une étagère qui va arriver juste là au bout de la baignoire, elle est en fait dans notre garage. Je dois la peindre, je l'ai toujours pas fait. Dès qu'elle sera peinte et installée, je vous filmerai un tour de cette salle de bain. C'est une des pièces qui a subi le plus de transformations dans notre maison parce que voilà, la salle de bain datait des années 70, 70 si vous êtes française, et c'est vrai qu'elle avait besoin d'un bon coup de lifting. Et bah, cette salle de bain, c'est simple, c'est devenu la salle de bain de mes rêves. Elle est blanche, lumineuse, avec des détails en marbre, j'en suis complètement fan. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je garde dans cette étagère. Donc en fait, on a un meuble avec deux lavabos et deux meubles à deux tiroirs de chez Ikea. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description si ça vous intéresse. Et ce meuble-ci vient aussi de chez Ikea. C'est en fait le même que celui qu'on avait dans notre ancien appartement. Et moi, je l'adore parce que comme vous voyez, il y a des miroirs à l'intérieur. Quand vous faites un chignon ou que vous faites une coiffure, c'est génial parce que vous pouvez orienter le miroir et voir à l'arrière de votre tête. Il y a énormément de rangements, c'est pas trop, ça prend pas trop de place dans la salle de bain. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je garde sur mes étagères. Si jamais vous regardez mes vlogs en anglais, vous le savez très certainement que le week-end passé, j'ai terminé un livre qui est très très bien, qui est en anglais, je ne pense pas qu'il existe déjà en français, qui s'appelle No More Dirty Looks. Et c'est un livre qui explique en fait tous les ingrédients nocifs qu'il peut y avoir dans les produits cosmétiques. C'est vrai qu'avant de le lire, j'étais déjà très consciente et je faisais déjà très attention aux ingrédients, surtout dans mes produits de soins pour le visage et pour le corps. Mais j'ai encore appris pas mal de choses dans ce bouquin. Donc le week-end passé, je suis venue ici, j'ai fait un gros tri, je me suis débarrassée de pas mal de produits. Donc ici, c'est vraiment des produits que j'adore utiliser, dont la composition me convient et voilà, que j'adore, que j'utilise au quotidien. Je vais pas vous montrer tout en détail, je vais vous linker tous les produits dans la barre de description ici en bas. Je vais simplement vous expliquer un petit peu comment j'organise tout ça et vous montrer quelques produits que j'adore. Donc sur l'étagère du bas, je garde des huiles pour le visage, des crèmes de jour, des produits pour les yeux, enfin des crèmes pour les yeux, des baumes à lèvres et des sérums. Donc moi, les huiles pour le visage, vous le savez, j'ai la peau sèche, donc c'est indispensable. En ce moment, j'adore celle-ci de chez Nude, c'est la Rescue Oil. J'utilise tout le temps l'huile d'argan light de chez Josie Maran. J'ai toujours une bouteille dans ma salle de bain. Et puis en ce moment, la nuit, j'utilise cette petite huile de nuit détox de chez Caudalie, donc c'est dans la gamme polyphénol C15, et c'est une petite merveille. Ensuite, j'ai les rondelles éclat du visage de chez First Aid Beauty. Je ne pensais pas que j'allais les aimer, ben, en fait je les adore, je les utilise tous les 2-3 jours, c'est vraiment très très chouette. Mes crèmes pour le visage, de nouveau la polyphénol C15 de chez Caudalie, c'est celle que j'utilise durant la journée. Elle est très légère et on peut se maquiller par-dessus sans problème. Et la crème de chez Antipode, la Rejoice Light Facial Day Cream, est juste extraordinaire. C'est la première fois que j'aime autant une crème. Elle est légère tout en étant hydratante. Les ingrédients sont canons et vraiment, je vous la recommande. J'ai quelques crèmes pour les yeux de chez Benefit, de chez Caudalie, toujours dans la gamme polyphénol C15. Quelques baumes à lèvres de chez EOS que j'aime beaucoup. J'en ramène toujours des États-Unis. Et puis le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, c'est un produit culte pour moi. J'en ai toujours dans ma salle de bain. Je l'utilise tout le temps. Et en ce moment, le matin, j'utilise un sérum de chez Lierac. C'est le Hydrageniste sérum hydratant. Je l'aime beaucoup en dessous de ma crème de chez Caudalie. Il est très très agréable. Ensuite, sur l'étagère juste au-dessus, j'ai mon petit timer de ma brosse à dents de chez Oral-B. J'ai quelques sprays et toniques pour le visage, quelques nettoyants pour le visage et quelques huiles démaquillantes. Donc niveau spray pour le visage, je garde toujours le Zero Sink de chez La Roche-Posay. Je vous le recommande, il est très très bien si vous avez la peau un peu sensible, un peu capricieuse. Le Glow Tonic de chez Pixi, je ne suis pas super fan, je préfère le Clarins. Je vais quand même le finir, mais dès qu'il sera fini, je vais racheter le Clarins que j'aime énormément. Ce produit de chez Jurlix, c'est le Lavender Hydrating Mist. C'est donc un spray pour le visage à la lavande. Il sent super bon, il donne vraiment un beau coup de boost à la peau. Ça, c'est un produit de chez Josie Maran. Josie Maran, j'aime vraiment beaucoup ces produits. C'est en fait un baume à l'huile d'argan. C'est très épais, très très riche, mais si vous avez la peau sèche, c'est absolument canon. Le Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia, c'est aussi un très très bon produit. Alors ça, c'est une petite nouveauté dans ma salle de bain que j'aime beaucoup. Ça fait 2 semaines que je l'utilise. C'est en fait une eau micellaire que j'ai reçue dans ma Glossy Box ou dans ma Duty Box. Je ne suis plus sûre, je vous mettrai la bonne info juste ici. C'est d'une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Karma Meju. C'est l'eau micellaire Edge Defense.
très 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 bons produits, elles sont super bons. Derrière, j'ai l'huile démaquillante de chez Nude, l'huile démaquillante de chez Josie Maran, l'huile démaquillante Superficialist by Una Brennan qui est disponible chez Boots en Angleterre. Elle est pas très chère et vraiment elle est très très bien. Et j'ai un démaquillant pour les yeux de chez Estée Lauder, c'est le Take It Away que j'utilise quand j'ai vraiment un make-up un peu plus prononcé sur les yeux. Ensuite, juste au-dessus, je garde tous les produits que j'utilise une à deux fois par semaine. Donc j'ai des masques pour le visage, j'adore celui de chez Antipode au miel, super riche, super hydratant. Le pasticide de chez Aesop est super nettoyant si vous avez des boutons ou des pores dilatés, c'est vraiment un très très bon masque. Celui-ci, encore une fois, j'ai reçu dans une box récemment, il vient de chez Rayoni. C'est en fait un masque que vous appliquez, vous laissez 15 minutes et puis vous pouvez le peler, enfin c'est pas glamour quand on dit peler, mais vous pouvez vraiment le tirer, il vient d'un coup. Très très chouette produit. Rennes, une marque que j'adore, naturelle. Le soin visage 1 minute flash rinse est incroyable, j'ai une review complète sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien ici dans la barre de description. J'ai quelques produits pour se débarrasser des boutons de chez Origins et de chez Clinique. Quelques crèmes très très épaisses, donc j'ai Cicaplast et la crème de 8 heures de chez Elizabeth Arden pour ben voilà, quand j'ai la peau très très sèche ou quand j'ai des cicatrices, j'ai pas mal de cicatrices, je trouve que ça aide vraiment la peau à mieux cicatriser. Le gel exfoliant appelé de chez Boschia, le nom est horrible, le produit est fabuleux. Le Liquid Gold de chez Alpha Age que j'utilise une à deux fois par semaine. Et puis l'eau lactée auto-bronzante de chez Clarins pour le visage, qui est une petite merveille. Vous l'appliquez sur un disque à démaquiller, sur le visage, ça ne fait pas de marque, pas de rayures, c'est vraiment canon. Au-dessus, j'ai l'étagère avec tous mes produits pour le corps, donc mes déodorants. Une brosse de chez Aromatherapy Associates. C'est en fait une brosse que j'utilise partout sur mon corps le matin avant d'aller dans la douche. J'ai la peau toute douce. L'huile prodigieuse de chez Nuxe, j'en ai toujours dans ma salle de bain. Le sérum corps peau neuve de Clarins, c'est celui que j'utilise pour le moment, je l'adore. Et puis j'ai un gel remodelant de chez Rennes également. Et puis sur l'étagère du dessus, je vous avoue que j'ai 2-3 petites choses qui traînent. Voilà, des choses que je prends avec moi quand je voyage. Alors du coup, je vais vous montrer en vitesse ce que j'ai sur mon lavabo. J'ai une bougie de chez Jo Malone à la lavande qui sent incroyablement bon. L'huile souplesse de chez L'Occitane avec le concentré de lait aussi de chez L'Occitane. J'ai un savon pour les mains de chez End Other Stories au thé, à la menthe. J'ai mon Clarisonic avec une brosse cachemire, c'est vraiment mes brosses préférées. Et puis j'ai ma brosse à dents juste ici. Ça, c'est les deux tiroirs que moi je vais vous les montrer très très rapidement. Dans celui-ci, je garde des cotons-tiges, des disques à démaquiller, des élastiques, quelques pinces quand je veux me faire un brushing pour accrocher et séparer mes cheveux, mes brosses à cheveux, mes peignes, des petits serre-têtes pour, des petits bandeaux pour quand je me démaquille le soir. Ici, j'ai une petite boîte de chez Muji dans laquelle je garde des pinces, des petites pinces plates, ce genre de choses. Ma trousse à dents, c'est vraiment pas un nom de l'amour, mais je porte des gouttières transparentes pour redresser mes dents. Et donc ça, c'est la petite trousse que je prends partout avec moi, avec mon appareil, une brosse à dents, du fil dentaire et un dentifrice. Ici, j'ai quelques essuies pour le visage et des petits essuies aussi de chez Primer pour me démaquiller. Là, j'ai tout ce qui est pour mes dents, donc j'ai des petites tablettes pour nettoyer mes gouttières. J'ai du dentifrice de chez Oral-B, du bain de bouche, du fil dentaire. Et puis ici, je garde un petit peu de tout. J'ai des baumes à lèvres, des exfoliants, voilà, plein de choses du genre. J'ai mon épilateur de chez Braun, c'est le Silk Epil 9 qui est là. Et puis dans le tiroir du dessous, je garde là tous mes produits pour les cheveux. C'est énorme, j'en ai énormément. Je pense que tout ne tient pas en plus dans le plan. C'est relativement rangé, donc j'ai tous mes shampoings, mes après-shampoings. Redken, j'ai du L'Oréal. J'ai des masques pour les cheveux, j'ai ce produit là de chez Kérastase, c'est le sérum jeunesse qui est absolument incroyable. Living Proof, c'est une très chouette marque aussi pour les cheveux. Quelques produits de chez Kérastase, comme la CC Crème. Un démêlant de chez Ojun. Ça, c'est un produit extraordinaire de chez Matrix, le Turbo Dryer. Ça sèche vos cheveux en quelques minutes. J'ai un produit, c'est le Simis, donc la brume coiffante de chez John Masters Organic, qui est donc une marque de produits capillaires, de produits pour le corps bio, peut-être pas bio, mais en tout cas naturel. Et puis de ce côté-ci, je garde mon auto-bronzant, donc le Saint-Tropez Self-Tan Express. Des crèmes solaires juste au cas où. Une trousse dans laquelle je garde tous mes échantillons, toutes mes miniatures pour quand je voyage.
des lames de rasoir, des têtes de rechange pour mon clarisonique, et c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est vrai, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'ai vraiment envie de vous montrer notre maison, parce qu'on l'adore, on se sent très bien ici. Je vais bientôt vous filmer donc un tour de la salle de bain dès qu'elle sera plus ou moins finie. Je vais aussi vous filmer un tour de mon bureau parce que vous avez été nombreuses à me le demander. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont juste ici en dessous, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux @styleplayground sur Twitter, Facebook, Instagram, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!